Mes amis, bonsoir, amoureux du livre, de la culture, pour cette nouvelle rencontre de Ramadaniyat Book Club. C'est la deuxième d'une série de quatre. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Sinabil Mouline, un grand spécialiste de l'histoire. Ce n'est pas son premier livre sur le sujet. Il nous a toujours étonnés, il nous a toujours fait découvrir le riche patrimoine, la riche histoire de notre pays. Aujourd'hui, il l'aborde avec un prisme très particulier, celui du drapeau ou des drapeaux du Maroc. Donc on aura l'occasion de découvrir tout ça à travers cette rencontre qui sera modérée par ma collègue Fadoua Misk. Je tiens à remercier nos partenaires, l'ODA, avec qui nous organisons donc, notre deuxième rencontre dans ce bel espace du Parc Anfa. Je remercie aussi Aminem Snaoui avec la librairie Porte d'Anfa et bien évidemment Soch Press, l'éditeur donc, du livre en la présence de Mélim Alaoui. Je vous souhaite une excellente soirée et je cède tout de suite la parole à Fedoua. Merci beaucoup, merci beaucoup. Petit mot, je remercie nos deux jeunes, désolé, qui nous accompagnent donc, pour la partie animation musicale pour l'Oud et le Kanoun. Ahlabikoum. Merci beaucoup, cher Ali. Je suis vraiment très contente de me retrouver avec vous aujourd'hui pour cette deuxième rencontre de la série Ramadaniyat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial, un sujet fédérateur, en fait d'un symbole fédérateur qui est le drapeau du Maroc. Et en fait, à travers ce livre, on découvre qu'on n'a pas eu un seul drapeau, mais plusieurs drapeaux. Ça, on s'en doutait bien de toute façon, parce que ce sont des emblèmes qui bougent. Mais alors, on va découvrir énormément de choses par rapport à ce drapeau, à cet emblème et à ce symbole, comment il passe d'un symbole de la dynastie à un symbole national tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on brandit pendant les événements heureux ou moins heureux, comme lors du séisme par exemple et tout ça. Le symbole du drapeau représente notre attachement à cette patrie et on va découvrir comment s'est construit cet attachement petit à petit à travers des siècles d'histoire. Donc, marhaba bik Nabil Mouline, et merci beaucoup d'avoir accepté d'assister avec nous à cette rencontre et de présenter votre livre. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage? Est-ce que c'est un ensemble d'éléments rencontrés lors de vos nombreuses études et que vous avez voulu partager avec le public, ou alors il y avait un moment ou un élément déclencheur qui vous a poussé à vouloir clarifier un petit peu la confusion qu'il y a autour de ce symbole? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Merci, Fedoua, pour cette introduction, pour cette première question. Comme vous le savez sans doute, depuis plusieurs années, j'essaye de transmettre l'histoire de différentes manières, notamment de manière ludique pour pouvoir, en quelque sorte, aider les concitoyennes et concitoyens à se faire leur propre opinion de notre histoire. Mais j'ai constaté très rapidement que pour toucher le grand public, il fallait choisir des sujets plus ou moins attractifs, c'est-à-dire ne pas être pédant, redondant, etc. Il fallait choisir en quelque sorte des sujets sexy qui attirent l'attention et qui permettent en quelque sorte... Je voulais pas le dire, vous l'avez dit. Et qui permettent en quelque sorte de s'introduire de la manière la plus souple et la plus naturelle dans les différents ponts de notre trajectoire collective. Et bien sûr, le drapeau en tant que symbole visuel le plus célèbre de l'espace social local était tout désigné pour être, on va dire, la victime du jour. D'accord.
Et justement, l'aventure a commencé il y a quelques années de manière assez, on va dire, assez cool. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement matière à faire un véritable ouvrage qui permettra non seulement de découvrir l'histoire de ce bout de tissu, mais surtout découvrir les différentes facettes de la trajectoire du Maroc à travers cet objet emblématique. Absolument. Alors, si l'on doit parler du drapeau marocain, il faut d'abord connaître l'origine du drapeau. Alors, dans l'histoire, comment est née l'idée du drapeau, l'idée de l'emblème en général? En fait, tout simplement, l'idée de drapeau va naître avec l'émergence des premiers groupements humains et notamment des premières entités politico-religieuses qui vont apparaître en Mésopotamie, en Égypte, en Perse, en Chine, etc., et qui avaient besoin de créer un certain nombre de références idéales, mais également organisationnelles pour pouvoir faire société, faire groupe et dire l'appartenance. Et justement, petit à petit, un certain nombre d'objets vont s'imposer comme des éléments visuels d'identification dans le drapeau. Et justement, ce drapeau, si on se fie aux sources les plus anciennes, notamment matérielles, il apparaît il y a quasiment 5 500 ans avec l'émergence des premiers États centralisateurs. Notamment en Mésopotamie. Et petit à petit, ce drapeau va devenir important. Il va dans un premier temps refléter l'esprit du groupe dans les champs de bataille avant de se transformer en un insigne politique par excellence avec l'émergence des premières dynasties. Le drapeau va s'imposer dès le troisième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire il y a quasiment 5 500 ans, comme un élément d'identification du centre du pouvoir. Et petit à petit, les différentes dynasties mésopotamiennes, égyptiennes, etc., vont commencer à se transmettre ce type d'objet de génération en génération, et on va commencer à tisser autour de lui, si j'ose dire, un certain nombre de récits, notamment légitimateurs qui s'appuient essentiellement sur les légendes et la mythologie. Et ce symbole va devenir petit à petit très populaire et va par conséquent se propager dans les quatre coins du monde, en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, pour arriver au 7e siècle en terre d'Islam. Alors, cet objet dont vous parlez, il a des fonctions. Vous parlez de popularité, il est populaire auprès des dynasties, auprès du pouvoir, parce que justement, il n'a pas pour fonction de dire la nation, il a pour fonction, comme vous le dites, de dire qui est à la tête d'une dynastie ou d'une nation. Le drapeau, depuis son... Sa création, si j'ose dire, au troisième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 18e siècle, le drapeau ne reflète aucunement une identité nationale, parce que les identités nationales n'existaient tout simplement pas Absolument. jusqu'à leur invention en Europe entre le 16e et le 18e siècle, grosso modo. Avant, le drapeau désignait soit des micro-groupes, une corporation, une confrérie, une fraction de l'armée, ou de manière beaucoup plus claire, désigner le centre du pouvoir, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir, quelle que soit sa titulature, roi, prince, empereur, que sais-je. Il désigne que sans, il désigne le détenteur réel du pouvoir, c'est-à-dire le cœur du système politique, l'institution la plus éminente d'un territoire donné ou d'un groupement
particulier. Donc, il reflète plutôt, durant une longue période, non pas un emblème de consensus, un emblème populaire, mais plutôt une sorte de frontière entre gouvernants et gouvernés. Parce même, que les gens, quand même, ils regardaient un drapeau, oui, ils savaient exactement où se situait le pouvoir. Où se situait le pouvoir, et ça faisait la différence même entre le pouvoir, c'est-à-dire le roi, le chef, et les nobles. Mais bien sûr, bien sûr. Il fallait une séparation claire. On va passer à une dimension beaucoup plus complexe, notamment dans un certain nombre d'espaces culturels. Il y avait une hiérarchie de formes et de couleurs. Par exemple, dans un tel pays, le souverain avait le droit de porter telle couleur, telle forme de drapeau. Quand un groupe ou une personne porter la même couleur ou la même forme, ça voulait dire tout simplement qu'il se rebellait contre l'ordre établi. D'accord, ok. Alors, pour revenir au Maroc, je vais poser une petite question. Vous commencez un petit peu à raconter l'histoire du drapeau à partir de l'installation du drapeau en terre d'islam avec les Omeyyades. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que dans l'ère anti-islam, est-ce qu'on a des traces de ce qui existait dans la région? Au Maroc Oui, au Maroc. Au Maroc, est-ce qu'on a des traces ou pas du tout, rien du tout Malheureusement, non. Malheureusement, non. Comme vous le savez très bien, l'histoire commence au Maroc à la faveur de la rencontre avec les Phéniciens entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Petit à petit, grâce à ces contacts, un certain nombre de changements vont affecter l'espace social local et vont provoquer l'émergence des premières entités politiques entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a eu un certain nombre de royaumes, comme le royaume des morts au nord du Maroc actuel, et un certain nombre d'autres entités politiques durant quasiment un millénaire. Mais malheureusement, nous avons une véritable carence de sources qui ne nous permet pas de reconstituer ce qu'on pourrait appeler les zones d'ombre dans l'histoire du Maroc, et notamment dans le domaine symbolique. Et comme vous le savez très bien, l'historien est le prisonnier de ces sources. Absolument. S'il n'y a pas de sources, on ne peut que émettre un certain nombre d'hypothèses. Il y avait sans doute des symboles, notamment des drapeaux, mais on ne connaît ni leur taille, ni leur forme, ni leur couleur. Oui. Alors, quelles sont les spécificités du drapeau en terre d'islam ? Ça a commencé avec les Omeyyades. Qu'est-ce qui les différencie par rapport à ce qui existait auparavant? Quasiment rien du tout. D'accord. Comme dans la plupart des autres domaines religieux, politiques, économiques, architecturaux, etc. L'islam primitif s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle l'antiquité tardive. Les premiers musulmans ne font la plupart du temps que reprendre les symboles qui étaient déjà populaires en Arabie, en Mésopotamie, en Syrie Palestine, en Perse et bien sûr dans l'Empire romain. D'ailleurs, la tradition musulmane elle-même va attribuer aux prophètes un certain nombre de symboles. Les fameux traditionnistes, les muhadithoun, nous apprennent que le prophète de l'islam, dès son installation à Médine en 622 et la fondation du noyau de ce que va devenir l'Empire musulman, il aurait adopté un drapeau pour dire son nouveau statut, c'est-à-dire montrer qu'il détient non seulement un magistère spirituel, mais surtout un pouvoir politique. Mais, petit bémol, les traditionnistes ne sont pas d'accord entre eux. Certains traditionnistes nous disent que le drapeau du prophète était un drapeau blanc. D'autres nous disent qu'il était noir. D'autres encore, qui voulaient concilier les deux premières affirmations, disaient qu'il était bigarré, noir et blanc. D'autres encore affirment qu'il était de couleur
poussière. Arba. Arba. Une quatrième faction dit qu'il était de couleur jaune, etc., etc. On dit même que le prophète avait ce qu'on appelle un vexillum, c'est-à-dire tout simplement un totem, qu'on appelait al-uqab, c'est-à-dire un drapeau sous forme d'aigle, comme le drapeau romain, comme le vexillum romain. Mais rien n'est sûr, vu que la plupart de ces sources-là ont été mises en circulation entre le 8e et le 9e siècle, c'est-à-dire entre 150 et 200 ans après la disparition du prophète. Donc, elles reflètent beaucoup plus les tendances politico-religieuses de cette période que la réalité historique. En fait, on ne commence à être bien renseigné sur les drapeaux adoptés par les musulmans qu'au début du 8e siècle, avec l'avènement des Abbassides. Même pas avec les Oumayyades. Les Oumayyades vont régner 100 ans. On ne connaît absolument rien sur leur panoplie symbolique, notamment le drapeau. Ce sont les Abbassides qui adoptent les premiers un drapeau officiel, un drapeau dynastique qui était noir avec la profession de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et c'est par rapport à ce drapeau qui va devenir central dans l'espace musulman que les autres factions politico-religieuses musulmanes vont se positionner. Et on va très rapidement voir émerger des factions, notamment les fameux Kharijites, qui vont la plupart du temps adopter la couleur rouge. Les sunnites et les proto-sunnites et les proto-sites, pour être plus clair et plus précis, vont adopter généralement la couleur blanche, qui va être surtout la couleur des Oumayyades d'Andalousie, et des Fatimides qui vont prendre le pouvoir en Tunisie actuelle dans un premier temps, avant de s'installer en Égypte. Et par la suite, le Maroc va s'inscrire dans cette dynamique. Alors, ça, c'était en terre d'islam. Mais au Maroc, on a un premier drapeau à l'ère des Almoravides, c'est ça? Tout à fait. C'est là où on a les premières traces sur certaines. On a un petit peu avant, mais c'est le... En fait, comme vous le savez très bien, le Maroc va être conquis par les Oumayyades au début du 8e siècle. Le nord du pays, en tout cas que l'on appelait à l'époque la Tangitane, Amal al-Tanja, était gouverné par un émir Oumayyad. Le premier est d'ailleurs Tariq ibn Ziyad. Mais les Oumayyades vont en quelque sorte avoir du mal à intégrer le pays pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, je vous rassure. Notre pays va devenir en quelque sorte le refuge des mouvements d'opposition qui vont s'y installer et qui vont petit à petit créer de véritables fiefs, ce qui va leur permettre de déclencher une énorme révolte en 740, et le Maroc par conséquent va échapper définitivement au joug califal, un certain nombre d'entités politiques vont émerger à partir de 743. Donc entre le 743, c'est-à-dire le 8e siècle, et le 11e siècle, grosso modo 1040, le Maroc va connaître une véritable expérience que j'appelle âge de la pluralité. Parce qu'il va y avoir un grand nombre d'émirats qui vont adopter différentes idéologies religieuses, différents dispositifs culturels et même différentes langues. Mais le problème, c'est que nous n'avons que très peu de sources sur cette période qui paraît être très très intéressante de l'histoire du Maroc. Nous avons un certain nombre d'émirats très très connus. Barwata, les Banu Medrar, les Banu Saleh. Il y a une petite entité que l'on appelle Idrisside, mais que certains ont voulu en faire la dynastie fondatrice de l'État marocain. Ce n'est pas du tout le cas. C'était une petite dynastie parmi tant d'autres. Absolument. Et qui ne contrôlait qu'un petit bout du territoire marocain. Et justement,
C'est durant cette période que nous avons les premières traces de l'histoire du drapeau. Il s'agit des drapeaux d'une petite dynastie qui est très inconnue des Marocaines et des Marocains, mais qui a régné sur une grande partie du Maroc durant la première moitié du Xe siècle, qui s'appelle les Banu Abil Afia. Cette dynastie, qui était à la solde des Oumayyades d'Andalousie, va contrôler une région qui s'étale de Tlemcen aux portes de Fès et de la Méditerranée jusqu'au Tafilet, c'est-à-dire va contrôler un énorme territoire et va fonder un grand nombre de villes dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'oriental. Et justement, dans l'une des rares sources sur cette dynastie, on est informé que Moussa ibn Abil Afiyah, le fondateur de la dynastie, va recevoir de son suzerain Abdurrahman III l'Umayyad quatre drapeaux, deux multicolores et un rouge et un blanc. Mais nous n'avons pas d'autres informations, notamment sur leur symbolique, sur les usages de ces drapeaux, etc. Les choses vont évoluer de manière, on va dire, dramatique, si j'ose dire, au XIe siècle, avec justement l'émergence de l'État marocain avec les Almoravides. Les Almoravides vont être à l'origine de la première entreprise de unificatrice et monopolistique de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire créer un État centralisé politiquement, unifié culturellement et religieusement, à partir d'une capitale unique, Marrakech, la cité de Dieu. Et justement, les Almoravides vont adopter, dès les premières années de leur règne, toute la panoplie légitimatrice, et notamment un drapeau. Les Almoravides étaient très proches des Abbassides, parce qu'ils voulaient obtenir une légitimité religieuse que les Abbassides avaient. Les Abbassides étaient des suzerains très très lointains, impuissants, mais ils avaient cette capacité de légitimer les dynasties locales. Donc les Almoravides vont leur prêter serment d'allégeance. En contrepartie, les califes de Bagdad vont leur donner le droit de gouverner l'Ouest musulman et porter un certain nombre de régalias, c'est-à-dire d'insignes du pouvoir, notamment le fameux drapeau noir frappé de la profession de foi. J'ai entendu chuchoter Daesh, le même que celui de Daesh. C'est ce drapeau-là qui va être le premier drapeau du Maroc unifié, et il va régner sur un grand territoire qui va s'étaler de Tolède au nord jusqu'au fleuve Sénégal au sud et de l'Atlantique à l'ouest jusqu'à Bjaïa à l'est, c'est-à-dire un empire qui englobait plus de 5 millions de kilomètres carrés. Et donc, avec le déclin, malheureusement, de l'empire de l'ère almoravide, il y a les Almohades qui arrivent, et là, on assiste à l'émergence d'un concept nouveau. Ce n'est pas juste un drapeau, mais on l'appelle le victorieux, le Mansour. Tout à fait. Et en fait, le Mansour va survivre aux Almohades. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce drapeau en particulier ? Avec plaisir. En fait, les Almohades vont s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Les Almohades sont de véritables révolutionnaires qui avaient un véritable projet de société, non seulement local ou régional, mais global. Les Almohades ne voulaient pas gouverner le Maroc, ils voulaient gouverner le monde entier. Oui. Et vont adopter par conséquent l'idéologie califale dès les premières années de leur action à Igiliz puis à Tinmen. Et petit à petit, leurs souverains, notamment Abdelmoumen ibn Ali Goubi, vont s'emparer de la titulature califale. Et ils vont se prétendre être les héritiers des ambitions et de l'idéologie des Oumayyades d'Andalousie et des Fatimides d'Égypte. Et cela va leur permettre d'adopter un certain nombre de symboles califaux en rupture avec les Abbassides.
Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du drapeau noir des Abbassides et drapeau du drapeau blanc de des ceux Ouraïades. Qui veulent s'émanciper de la tutelle abbasside. Donc les Almohades vont élire la couleur blanche comme couleur officielle de l'Empire. Non seulement couleur officielle du drapeau, mais également quelque chose qui est quasi quotidienne dans notre vie, c'est la couleur du costume. Le costume national au Maroc est de couleur blanche, ça date de l'époque almohade. Ils obligeaient les populations, contrairement aux Abbassides, à mettre le blanc, quelle que soit la cérémonie, heureuse ou malheureuse. Vous voyez, les Yalats jusqu'à présent, le blanc, etc., cette tradition remonte aux almohades qui ont imposé le blanc sur l'ensemble des territoires qu'ils contrôlent. Et parmi les symboles blancs les plus célèbres, il y avait le fameux drapeau victorieux, l'Alam al-Mansour, qui reflétait à lui seul l'idéologie des Almohades. Dans un premier temps, ce drapeau était blanc, mais on a brodé dessus trois formules qui en quelque sorte résumaient l'idéologie almohade. Tout d'abord, al-wahidullah, c'est-à-dire le monothéisme absolu, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire l'application de la charia, et enfin, al-Mahdi, le Messie, Khalifatullah, le vicaire de Dieu sur terre, donc le porte-parole de Dieu infaillible qui peut gouverner tous les aspects de l'espace social qu'il contrôle. Et après la routinisation de cette idéologie messianique, les Almohades vont se contenter de broder sur ce drapeau victorieux, l'Alam al-Mansour, la profession de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en plus d'une formule qui va devenir très très célèbre, notamment grâce à Qasr al-Hamra, la ghaliba illallah. On parle souvent de la ghaliba illallah comme une formule andalouse. Cette formule a été mise en place par les Almohades, par le calife Yaqub al-Mansour al-Muhid. Alors, ça c'est très intéressant parce que le livre, dans le livre, il y a beaucoup de photos. Et donc forcément, certains drapeaux et régalia qu'on va retrouver dans des musées espagnols et français. Et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je trouve ça très dommage qu'on ne garde rien et qu'il garde tout. Ces drapeaux-là contiennent tous justement des phrases, mais aussi des signes, un certain nombre de signes qui sont vraiment qui remontent à très très loin, dans le croissant de lune, l'étoile, pas l'étoile telle qu'elle existe aujourd'hui, mais une autre étoile, celle peut-être de David, de Salomon et tout ça. D'où viennent ces symboles et à quoi ils renvoient? En fait, ces symboles-là sont des symboles universels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les musulmans vont hériter en quelque sorte de toute la symbolique antique, qu'elle soit moyen-orientale, indienne ou méditerranéenne. Et les différentes dynasties musulmanes et leurs artistes vont essayer de faire feu de tout bois pour pouvoir réinterpréter et remployer tous ces symboles et leur donner une portée islamique. Et les symboles qui vont être les plus employés à l'époque vont être des étoiles. Les étoiles de différentes formes, avec différentes branches, mais la plus importante étoile de l'époque était l'étoile à 8 branches. Pourquoi l'étoile à 8 branches? Pour une raison tout à fait simple. Parce que tout d'abord, les étoiles sont des symboles coraniques très importants. Il y a l'étoile nacrée, le kawkab dorri dans le texte coranique, qui symbolise tout d'abord la guidance,
la guidance au sens propre, d'un point A à un point B, entre deux oasis, entre deux villes, entre deux ports, mais surtout, l'étoile a une fonction symbolique, guider les humains de la mécréance vers la foi, de l'égarement au salut éternel. Justement, c'est tariq l'hidayah ou tariq l'huda. Et justement, cette symbolique est très importante parce que l'étoile reflète tout d'abord un message divin. C'est la notion de lumière, nur ilahi, qui transcende et qui transforme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'étoile, et notamment l'étoile à huit branches, renferme en elle-même une symbolique très importante. Pourquoi ? Parce que le chiffre 8 est un chiffre très important dans la symbolique islamique. Dans le texte coranique, on dit souvent que le trône divin est porté par 8 anges. Et dans un hadith, on dit que le paradis a 8 portes également. Et donc, le trône divin, les clés du paradis, qui est le vicaire de Dieu sur terre et qui détient les clés du paradis, ce n'est autre que le calife. Donc l'étoile à 8 branches symbolise le calife lui-même en tant que représentant de Dieu sur terre. Et justement, dans la sémantique al-Mouhad, qui va être, si j'ose dire, séminale dans l'histoire du Maroc, les souverains et leurs spin doctors utilisaient les étoiles à 8 branches dans les pièces de monnaie, sur Zlij, sur le plâtre, sur la tapisserie, sur les costumes, pour symboliser l'omniprésence du calife, qui était non seulement présent en tant qu'étoile, mais également en tant que force de la nature. Par exemple, on peut retrouver ça de manière très très claire dans une tapisserie al-Mouhad conservée toujours dans le musée des tissus médiévaux à Burgos, en Espagne. Cette bout de tapisserie que l'on appelle Pandon de las Navas de Tolosa, parce qu'on prétend que les Espagnols l'ont récupéré lors de la bataille de las Navas en 1212. Cette tapisserie reflète, est une, moi je l'appelle fresque idéologique, parce qu'elle reflète toute la complexité de l'idéologie al-Mouhad. Et en fait, c'est un tableau abstrait qui faisait en quelque sorte le portrait du calife al-Mouhad en tant que chef incontesté de la communauté et vicaire de Dieu sur terre et porteur de la fameuse baraka, et lui prêter serment d'allégeance, c'était réussir tout simplement ici-bas et dans l'au-delà. Et comment on symbolisait tout ça? Par des versets du Coran, par des étoiles à 8 branches, et surtout par quelque chose qu'on connaît toutes et tous, des lions. Sber. Le lion symbolisait la sagesse, la force, et les califes al-Mouhad se représentaient comme les lions par excellence. Lion de l'Atlas, ça ne vient pas de... Absolument. Et bien sûr, ils sont l'héritier d'une longue tradition qui remonte à l'Antiquité, qui assimilait les souverains à des lieux. Oui. Alors, il y a aussi d'autres signes qui ont été retrouvés dans des cartes maritimes et qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas en tout cas, comme par exemple des symboles d'échiquier. Est-ce que ce sont vraiment des drapeaux qui ont existé, ou alors est-ce que ce sont les marins qui se trompaient un petit peu et qui faisaient une confusion entre deux pays, ou d'où viennent ces signes-là? Il y a aussi le signe des clés. Les clés, ouais. Oui. Tout à fait. Tout à fait. En fait, juste un petit détail avant d'avancer. En fait, les Almohades, comme je le montre dans le livre, avaient un drapeau
centrale. C'est le drapeau victorieux, l'Alam al-Mansour, qui faisait plus de 16 mètres carrés. C'était vraiment énorme. Il devait peser 60 à 70 kilos. Il devait être porté par une seule personne. Non, non, une seule. C'est la personne la plus forte des troupes al-Mu'ahad. Et il était brodé en fil d'or, il était fabriqué en tissu double taffetas, conçu spécialement en Chine, etc. Ça devait coûter une fortune. Parce que le drapeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne reflète pas uniquement l'histoire religieuse ou idéologique, il peut même nous renseigner sur l'histoire artistique et surtout quelque chose qui fait défaut la plupart du temps, l'histoire économique. Parce qu'il peut nous renseigner sur l'industrie du textile, les relations commerciales, les circuits caravaniers, etc., Et sur la etc. richesse du pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Il reflétait cette richesse parce qu'on va voir par la suite que la qualité des drapeaux va se dégrader avec le Absolument. temps, et ce qui reflète la dégradation de la situation économique du pays pour avoir des drapeaux pas très présentables au 19e siècle, par exemple. Et ce drapeau, pour le mettre en valeur, on l'accompagnait d'un grand nombre de petits drapeaux et de fanions, qui étaient très très beaux et que j'ai pu reconstituer, non seulement grâce à des descriptions dans des chroniques, mais surtout grâce à de l'iconographie que j'ai pu retrouver dans les dépôts d'archives espagnols, notamment. Heureusement que des artistes castillans de l'époque ont pris la peine de dessiner les troupes almohades, etc., ce qui nous a permis d'avoir une idée assez claire, non seulement sur les costumes, les montures, les armes, mais également sur les drapeaux, et pouvoir reconstituer cette histoire de manière très claire. Et surtout, quelque chose de très insolite mais très important pour nous, c'est de voir pour la première fois des têtes de Marocains. Ce sont ces portraits-là qu'on appelle Las Cantigas de Santa Maria. Il s'agit de chants d'hommage à la Vierge Marie, rédigé par un roi d'Espagne qui s'appelait Alphonse VIII, et il rendait hommage à la Vierge de lui avoir donné la victoire contre les Almohades, et c'était des chansons avec des illustrations. C'est comme des bandes dessinées. Et tout simplement magnifique, ça a été conservé, c'est toujours déposé à la bibliothèque de l'Escorial à Madrid. Et c'est tout simplement un témoignage extraordinaire, notamment pour l'histoire du Maroc, parce que c'est la plus ancienne source visuelle que nous possédons sur nos ancêtres. Alors, les Mérinides vont garder le Tout à victorieux. Par contre, j'ai vu que chaque sultan avait son propre emblème, c'est ça? là, il y avait là en fait, l'Alam al-Mansour va devenir tellement important que les dynasties suivantes vont le reprendre, va devenir un symbole dynastique par excellence, devenir calife de l'Occident musulman, était en quelque sorte, c'est récupérer le drapeau blanc. Oui. Et justement, les Mérinides, les Ouattassides, puis les Zaïdanides, les Saadiens de l'histoire traditionnelle, vont conserver le drapeau blanc, c'est-à-dire que ce drapeau va régner sur l'espace social marocain durant quasiment un demi-millénaire. C'est le drapeau qui va durer le plus longtemps. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, Fedoua, la plupart des souverains avaient Des des bannières, des bannières, des fanions. fanions pour mettre en valeur le drapeau blanc. Et les Almohades avaient 16 bannière pour accompagner le drapeau blanc. Les Mérinides vont avoir entre 20 et 100 bannières et fanions pour accompagner ce drapeau blanc qui, comme je vous l'ai dit, devait être extraordinaire, plus de 16 mètres carrés. Et fort heureusement, nous avons encore trois de ces bannières qui sont conservées. Mais en Espagne, une nouvelle fois. Je dis fort heureusement parce que si on n'aurait pas pu les consulter.
Parce que là, il suffit de faire. En Espagne, il suffit de faire deux clics et passer un appel pour avoir accès à ces joyaux inestimables. Alors, et ces trois drapeaux sont conservés à la cathédrale de Tolède et ont été restaurés récemment. Et ils reflètent non seulement la grandeur de l'empire mérinide, mais également l'excellence de l'artisanat marocain à l'époque, parce que les trois bannières qui font quand même 2,70 m sur 2,20 m, c'est des tapisseries énormissimes, et elles ont été fabriquées à Fès au XIVe siècle, ce qui en dit long sur la maîtrise de ces techniques par les artisans locaux de l'époque. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. En fait, entre le XIIe et le XIVe siècle, la mode méditerranéenne se faisait au Maroc. Les Hermès, Vuitton, etc., étaient fabriqués entre le Maroc et l'Andalousie. Les meilleurs tissus étaient fabriqués soit à Fès, soit à Almeria, et ils étaient très très prisés par les puissants du pourtour méditerranéen, notamment les chrétiens. Et c'est grâce à ce commerce international que nous avons pu conserver ces bouts de tapisserie, parce que notamment les évêques, les cardinaux de l'Église catholique, les achetaient pour en faire des linceuls de luxe. Et la plupart des tapisseries qu'on a retrouvées de l'époque almoravide, almohade et mérinide sont en fait des linceuls. J'en ai mis quelques-uns dans le livre, et on voit comme l'époque, les trucs de Ralph Lauren, etc., c'était la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, al-afiya, al-baraka, al-baraka da'ima, Amir al-Muslimin, Ali ibn Yusuf ibn Jashafin, etc., etc., et avec les étoiles à huit branches, avec les croissants, avec des motifs animaliers, etc. Et ces bouts de tissu étaient vraiment prisés par les élites européennes, comme on peut le voir dans différents nombres de musées en Europe et en Amérique du Nord. Et justement, ces drapeaux-là, pour revenir à l'histoire du drapeau, était très important dans le dispositif légitimateur. Il y avait différentes couleurs, et justement, comme tu viens de le signaler, un certain nombre de sources européennes, notamment du 14e, 15e et 16e siècle, signalent l'existence de plusieurs drapeaux au Maroc. Parce que, comme vous le savez sans doute, dès la deuxième moitié du 14e siècle, le Maroc va se fragmenter en plusieurs entités locales, autonomes, après l'affaiblissement des Bérines. Et chaque entité va avoir son propre drapeau. Et justement, ces atlas européens vont essayer de reproduire ces différents drapeaux. Nous connaissons les drapeaux de Sibta, Mlilia, Marrakech, Sousse, Draa, Tafilet, etc. Chaque région avait sa couleur particulière, ses symboles particuliers, etc. Mais toutes ces sources étaient unanimes pour dire que pour devenir le sultan du Maroc, il fallait s'emparer de deux choses au XIVe et XVe siècle, de Fès et du drapeau. Alors, on fait un petit saut pour arriver à Ahmed Mansour. Ahmed Mansour qui cherche l'aide et le soutien des Turcs, et donc à cette époque-là, il va accepter de porter l'emblème turc. C'est plutôt son frère. Ok. C'est plutôt Abd Malik. En fait, les Zaydanides qu'on appelle les Saadiens arrivent au pouvoir au XVIe siècle. Ils vont réunifier le Maroc, reprendre le drapeau blanc, mais ils vont souffrir d'un problème
vieux comme le Maroc, les guerres de succession. Et en 1774, une guerre de succession va se déclencher une nouvelle fois au Maroc entre deux princes, Mohamed el-Moutawakil et Abd el-Malik el-Mu'tasim. Abd el-Malik el-Mu'tasim, pour arriver au pouvoir, va faire appel aux Ottomans. Et les Ottomans vont accepter de le soutenir. Ils vont lui dire, on va te fournir les troupes et l'argent nécessaires pour conquérir le pouvoir à une seule condition, tu vas reconnaître la suzeraineté de notre sultan et porter le drapeau ottoman. Il va accepter, et quand il va s'emparer du pouvoir en 1576, il va reconnaître la suzeraineté de Mourad III et va par conséquent porter le drapeau ottoman. Mais cela va énormément mécontenter les élites locales, et notamment le prince héritier, son petit frère, Moulay Ahmed, alias Mansour Dehbi. Et quand celui-ci va remporter la bataille des Trois Rois, il va s'imposer à la tête de l'Empire chérifien, et dans un premier temps, il va essayer de consolider son pouvoir pour échapper définitivement à l'emprise ottomane. Et justement, quand Ahmed Mansour se sent assez fort, sûr de lui-même, il va rompre avec les Ottomans et il va organiser en 1581 une grande cérémonie à Fès, où il va recevoir les ambassadeurs européens et les émissaires ottomans. Et pendant cet événement, il va ordonner à ses soldats d'abattre le drapeau ottoman et de le piétiner avant de le brûler et de lever encore une fois le drapeau blanc, symbole de l'indépendance et de la souveraineté de l'Empire chérifien. C'est pour cette raison-là que j'ai intitulé le chapitre « Emblème de l'indépendance ». Parce que le drapeau va devenir un véritable enjeu et il va symboliser la souveraineté de l'Empire chérifien. Il y a bien sûr une réalité complexe et multiforme, mais le drapeau peut être une fenêtre d'observation privilégiée pour déconstruire en quelque sorte tout ce processus complexe d'indépendance du Maroc par rapport à l'hégémonie ottomane. Et donc, après ça, nous avons les Alaouites qui viennent et qui bizarrement vont rompre avec l'Alam al-Mansour. Pourquoi ? Tout simplement, d'abord pour une raison de chronologie. Ahmed al-Mansour va disparaître en 1603 et après lui, c'est vraiment le déluge. C'est 63 ans de guerre civile, de calamité naturelle et d'ingérence étrangère. Tout d'abord ça, le pays va connaître une ère de décadence inédite depuis le 14e siècle, ce qui va causer la perte d'un grand nombre de traditions. Deuxième chose, c'est que beaucoup de gens, notamment d'historiens, malheureusement, mettent de côté ou marginalisent, c'est l'histoire naturelle du pays. Le Maroc a subi, comme avant, un grand nombre de calamités naturelles, des épidémies, des famines, qui ont causé une véritable saignée démographique. Et la saignée démographique touchait tout d'abord les élites qui étaient les véritables conservateurs des traditions. Donc un grand nombre de traditions se perdaient. Et notamment la tradition de porter le drapeau blanc qui va être tout simplement oublié par les élites locales parce que le lien avec le passé a été rompu à cause de tous ces éléments qui ont duré trop longtemps. Troisième élément, et qui est très très important parce qu'il nous permet de voir qu'il ne s'agit réellement que de construction sociale, le drapeau blanc avait une importance et une centralité parce qu'il y avait tout un tas de mythes, de légendes qui ont été mise en place autour de lui durant un demi-millénaire. En fait, il s'est passé la même chose entre le XVIe et le XVIIe siècle avec une nouvelle couleur,
C'est des tendances, comme à Milan ou à Absolument, Paris, absolument. c'est la couleur de la saison. En fait, une nouvelle couleur va émerger dans l'espace social marocain à partir du XVIe siècle et va prendre de l'importance, c'est la couleur verte. Pourquoi? Parce que les zaouias vont émerger au XVIe, vont devenir très importantes au XVIe siècle et ces institutions politico-religieuses détenaient une grande partie de leur autorité d'une personne, d'un personnage coranique ou traditionnel mythique que l'on appelait le khedr. Et justement, le khedr veut dire le khedr, le vert, l'homme vert, le géant vert. Et justement, la couleur verte va petit à petit prendre de l'importance et on va même dépasser cette fameuse personnalité al-Khedr et on va essayer de chercher une légitimation beaucoup plus importante, le prophète et sa descendance. On va très rapidement attribuer la couleur verte au prophète et à sa descendance. Donc les Zaouïas vont, durant cette époque, adopter la couleur verte comme couleur officielle, couleur d'Ilrza dans un premier temps, puis couleur de leur drapeau, notamment les fameux Alam, le jihad, les bannières du jihad, de la guerre légale ou de la guerre sainte. Et quand les Alaouines arrivent au pouvoir, ils n'ont pas la mémoire du drapeau blanc et ils sont en face d'une nouvelle couleur qui domine l'espace social. Et comme ils se considèrent eux-mêmes comme descendants du prophète, ils disent que la meilleure manière de prouver leur légitimité et leur C'est prééminence, c'est adopté. d'adopter, non seulement d'adopter la couleur verte, mais de la monopoliser. C'est ce que va essayer de faire Moulay Idriss, Moulay Rachid et Moulay Ismaïl en prenant le drapeau vert comme nouveau drapeau dynastique. Mais un problème va se poser très rapidement. Les Alaouites n'ont ni les ressources idéologiques nécessaires, ni les moyens humains et militaires pour imposer ce choix, c'est-à-dire monopoliser ce drapeau. Et un insigne de pouvoir, ça s'appelle régalia, c'est-à-dire c'est un élément régalien que seul le détenteur de pouvoir doit porter. Or, après l'émergence de la nouvelle dynastie, les zaouïas et les tribus Le même. continuent à utiliser la couleur verte. Mais au lieu de perdre la face, les sultans alaouites n'abandonnent pas la couleur verte. Ils vont rajouter une nouvelle couleur. Selon toute vraisemblance, Moulay Rachid, quand il s'empare de Rabat en 1666, il va être fasciné par les pavillons des corsaires. Les Les corsaires de corsaires de Rabat. Rabat, qui avaient un certain nombre de drapeaux, ils en avaient quatre. Mais le plus célèbre d'entre eux était de couleur Rouge. rouge, uniquement de couleur rouge, et Moulay Rachid a dû simplement le choisir à Dakolé et il en fait le pavillon dans un premier temps, le pavillon, c'est-à-dire le drapeau maritime de la dynastie. Mais petit à petit, ce drapeau maritime va devenir une bannière terrestre. Et entre le 17e et le 19e siècle, et ça sera une première dans l'histoire du Maroc, la dynastie alaouite va À avoir deux. deux drapeaux, un drapeau vert et un drapeau rouge. Le drapeau vert symbolise l'autorité religieuse et le drapeau rouge symbolise le pouvoir politique. Et tu dis aussi que l'Europe, sur un plan politique, ça s'est modernisé bien avant les autres. À un certain moment, elle imposait quelque part des drapeaux et Tout tout à fait. ça. Donc, en voyant que le pavillon marocain était rouge, elle a décidé que voilà, le drapeau marocain national et dynastique devait aussi être rouge. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la notion de nation n'existait pas, n'existait nulle part avant le 18e et le 19e siècle. Et les bannières rouges et vertes étaient des insignes dynastiques. Quand on voyait ces deux bannières, on estimait que le pouvoir n'était pas Loin. très très loin. Tout simplement, on ne disait pas que c'était notre drapeau, notre emblème, notre insigne national. Loin de là, les gens n'avaient pas cette idée. C'était l'élème, le sultan. C'était le cas également en Europe.
Le drapeau était un drapeau dynastique, c'est le drapeau des Capétiens, le drapeau des Tudors, le drapeau des Habsbourg, etc. Ce n'était pas du tout le drapeau de France ou d'Angleterre ou d'Autriche, etc. Mais entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l'Europe va connaître un grand nombre de bouleversements religieux, économiques, culturels, puis politiques. Et là, le phénomène qui symbolise tout ça de manière, ou qui incarne tout ça de manière quasi idéaltypique, c'est l'État-nation. Et justement, l'État-nation va en quelque sorte dépouiller les institutions traditionnelles, notamment l'Église et les monarchies, de leurs symboles, dont le plus important est le drapeau. Le drapeau, à partir du XVIIIe siècle, ne reflète plus la centralité de la dynastie, mais les valeurs, les ambitions et la continuité de toute une nation, c'est-à-dire une abstraction. Et petit à petit, cette nouvelle tradition va se propager en Europe. Elle va commencer aux États-Unis, puis en France, et petit à petit, grâce au colonialisme et au capitalisme, va se propager dans les quatre coins du monde, et les Européens vont l'imposer aux autres aires culturelles, et notamment au Maroc, à partir des années 1870, les Européens vont commencer, sans consulter personne, à considérer que le drapeau rouge était le drapeau de l'Empire chérifien. En même temps, les idées modernes commencent à s'introduire au Maroc, et notamment en ce qui concerne l'existence d'une nation et d'un État-nation marocain. Et vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les premiers textes proto-nationalistes vont commencer à émerger, et le premier opuscule qui parle de la nation marocaine date de 1906. Il s'agit d'une petite épître d'un intellectuel slaoui qui s'appelle Ali Znebar, et qui parle pour la première fois d'une nation marocaine qui a un symbole, le drapeau rouge. Et il dit in texto que les Marocains, pour préserver leur indépendance, doivent se réunir autour du drapeau rouge qui symbolise l'indépendance et la continuité de l'État chérifien. Donc, entre le 19e et le 20e siècle, le drapeau rouge, le drapeau rouge devient petit à petit non plus un symbole dynastique, mais un emblème étatique, voire proto-national. Et donc, on est en 1915. Ouais. Et en 1915, on a droit à notre premier drapeau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout à fait. Et comment c'est venu ? Alors, il y a une. Vous racontez un petit peu l'histoire. Comment ça nous a été imposé, mine de rien, ce pentagramme ? Imposé, c'est plutôt un compromis, on va dire. Okay. C'est plutôt un compromis parce que le drapeau rouge va continuer des années 1870 jusqu'à 1915 à être le drapeau étatique. Mais comme vous le savez très bien, le Maroc va subir la colonisation à partir des années 1884-1890. Les Espagnols commencent par envahir le Sahara occidental, les Algériens le Sahara oriental en 1890, et petit à petit, les choses se développent jusqu'à l'imposition du protectorat en 1912. Et comme toujours, les premiers changements concerne le domaine symbolique pour exprimer le changement de régime. Les Français cherchent dès les premiers mois du protectorat à imposer leur rythme, leur tempo, notamment dans le domaine symbolique. Et les douaniers de Casablanca vont être les pionniers. Ils voudront imposer un nouveau drapeau, comme on le voit ailleurs jusqu'à nos jours pour un certain nombre de pays. Ils ont imposé dans un premier temps tout simplement un drapeau tricolore et en haut duquel il y avait un petit rectangle rouge avec une étoile verte. Et ce drapeau va être très rapidement utilisé par les premiers colons, mais il va mécontenter les élites locales et les populations parce qu'il ne reflétait ni l'esprit ni la lettre des accords de Fès qui considéraient toujours le Maroc comme un État souverain. Donc, très rapidement, ce drapeau va être retiré et des négociations vont être entamées et qui vont durer quand même 2 ans et demi. Et après des va-et-vient, on va finalement décider
d'un commun accord entre les fonctionnaires de la résidence générale et les représentants du Mrzem, notamment le grand vizir Mohamed Al-Muqri, de maintenir le drapeau rouge, mais de faire un petit amendement, ajouter une étoile verte à 5 branches. Une étoile verte à 5 branches. Il n'y a ni 6, ni 7, ni 8, c'est 5. C'est 5. Et ce symbole existait, il est déjà pré-colonial. Il existe au Maroc dans les différents artefacts depuis le 8e siècle, pour ne prendre que l'époque islamique. On le retrouve sur les pièces de monnaie, sur Zlij, sur les tapisseries, etc. etc. Et la dernière fois qu'on le retrouve sur un artefact pré-colonial, c'est une pièce de monnaie qui va être promulguée par Moulay Abdelhafid juste quelques mois après, avant le protectorat. C'est une pièce de cuivre, Mouzouna, qui a été frappée d'un pentagramme en 1912. Par ailleurs, l'étoile à 5 branches est devenue à l'époque à la mode. Pourquoi? Parce que, alors que avant, c'était l'étoile à 8 branches qui était la plus célèbre, la plus populaire. Et on peut le voir toujours dans les différents artefacts ici. Il faut juste observer que, par exemple, Zlij, c'est l'étoile à 8 branches qui domine jusqu'à présent. Parce que c'est les portes du paradis, les anges, etc. L'histoire dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'étoile à 5 branches va commencer à devenir la star, si j'ose dire, à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va être adoptée par l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, comme la plus grande entité arabo-musulmane de l'époque, va influencer directement ou indirectement les autres pays musulmans. On va voir que la Tunisie va l'adopter, la Libye va l'adopter, l'Égypte va l'adopter, etc., etc. Et on va voir que même sous l'ère Moulay Ibn Aziz, les Marocains vont adopter l'étoile à 5 branches et l'hilal. On peut le voir toujours, par exemple, Tlam Diasdad al-Qdam, l'étoile à 5 branches, ou l'hilal, c'est ottoman, c'était la tapisserie, la mode ottomane de l'époque. On va le voir même sur Zlij, par exemple, la dernière grande restauration d'un grand mausolée d'Al Marrakech, Abou Labbès Sebti, a été faite sous Moulay Abdelaziz. Et on retrouve Faust Abou Labbès Sebti, l'étoile à 5 branches avec l'hilal ottoman parce que c'était à la mode. Mais les Français ont hésité à mettre l'hilal et vont finalement refuser pour ne conserver que l'étoile à 5 branches qui va petit à petit s'imposer dans l'histoire sociale. Mais il s'agit toujours en 1915 d'un symbole uniquement étatique. Absolument, c'est un symbole étatique. Le protectorat veut l'imposer à l'État et au pouvoir. Par contre, il interdit sur certaines zones. Alors, pour faire rapidement, parce que comme ça on ouvre le débat dans la salle, il y a eu un moment de l'histoire, bien sûr au départ ça reste une sorte d'emblème imposé où on a dû faire des compromis, mais par la suite la résistance et le pouvoir et le sultan vont s'accaparer ce symbole et vont l'adopter. Tout à fait. Tout à fait. Dans un premier temps, le drapeau rouge frappé du pentagramme vert est un symbole étatique que je qualifierais de froid. Très éloigné des populations, très élitiste, très francophile, je dirais. Donc les premiers pionniers du nationalisme marocain, notamment les premiers grands résistants, vont complètement le rejeter et adopter d'autres symboles. Par exemple, Ahmed Lhiba va adopter un drapeau rouge et un drapeau vert parce qu'il prétendait être lui-même le futur sultan du Maroc en tant que Mehdi, etc. Mohamed ibn Abdelkrim Khattabi va adopter son propre drapeau, s'agissait d'un drapeau rouge frappé d'une étoile verte, d'une étoile à 6 branches vertes et d'un croissant. Sherif Rissouni
va adopter un drapeau vert frappé d'une étoile et de la profession de foi. Mouhamouzayani va faire de même. Les tribus d'Yel-Shaouia vont adopter des drapeaux rouges frappés d'étoiles à huit branches, etc., etc. Il va y avoir une profusion de symboles pour contrecarrer le choix français. Mais comme vous le savez très bien, le protectorat franco-espagnol va surmonter toutes ces difficultés, va mater toutes ces révoltes et va contrôler le terrain entre les années 10 et le début des années 30. Mais entre-temps, il va y avoir un grand nombre de changements au Maroc, notamment l'émergence d'une petite élite urbaine durant les années 20, qui va engendrer, si j'ose dire, au début des années 30, le premier mouvement national marocain avec toutes ses factions. Tout d'abord dans la zone espagnole, autour de Tétouan à partir de 1931, puis la zone française à partir de 1933. Et ces jeunes nationalistes vont avoir l'idée toute simple de déposséder les Français d'un certain nombre de symboles, notamment le drapeau rouge. Au lieu de laisser ce drapeau entre les mains de la force protectrice, on va se l'approprier, lui donner une nouvelle symbolique et l'utiliser contre les Français. À partir de 1933, et notamment à partir de la célébration de la première fête du trône, les dirigeants du mouvement national, à leur tête Mohamed Belhassen Ouazzani, vont utiliser massivement le drapeau rouge frappé du pentagramme pour contester l'autorité de la France. Et cet usage va petit à petit s'ancrer, s'enraciner et s'amplifier pour transformer cet objet étatique en un véritable symbole national à partir des années 1940, parce que les populations vont commencer à l'utiliser spontanément pour exprimer leur attachement à une nouvelle entité, l'État-nation marocain. Cela va pousser même les Français, à partir de 1944, à vouloir, comme tu l'as signalé, à vouloir l'interdire durant les manifestations publiques. Et justement, ce qui est important, c'est que dans un premier temps, le drapeau rouge frappé du pentagramme, et c'est une nouveauté également dans l'histoire du Maroc, va devenir un symbole populaire, et uniquement un symbole populaire et non étatique, vu que les sultans Moulay Youssef et Mohamed Ben Youssef vont le marginaliser parce qu'ils le considéraient comme un symbole bizarre. D'abord parce qu'ils étaient dépouillés de leur autorité politique, ils n'avaient plus le droit de prendre le drapeau rouge, ils se contentaient du drapeau vert, qui va devenir le drapeau de la dynastie. D'ailleurs, le chef de l'État ne salue que le drapeau vert, le drapeau dynastique, jusqu'à nos jours. Et deuxième chose, l'État-nation faisait peur aux élites traditionnelles. Donc, il y avait une sorte de rejet de ce symbole plus ou moins mystérieux. Mais quand le nationalisme va se consolider définitivement durant les années 40, à partir de 1947, le drapeau rouge s'impose définitivement, non seulement comme un drapeau étatique, mais comme un drapeau national, plus un symbole national par excellence. On n'aura pas le temps de parler de l'évolution du drapeau sous l'ère de feu Hassan II. J'invite les gens ici présents à prendre le livre en partant pour découvrir plein, plein d'informations et de détails sur la question. Par contre, à la fin, Nabil, tu conclus avec une réflexion sur le Moroccan narrative. Et sur l'histoire marocaine et sur le besoin des Marocains de se rattacher à des symboles. C'est pour ça que on a vu un petit peu le drapeau hissé pendant le mondial de football. On a vu le c'est l'emblème
qui exprime le plus notre attachement à l'histoire, mais ça reste confus parce que justement cette histoire est tellement méconnue par les Marocains. Et tu dis que on devrait justement instaurer une histoire réelle, vraie, dépassionnée. Donc comment on pourrait le faire justement? Comment on pourrait inculquer aux Marocains leur véritable histoire? Merci beaucoup pour cette question. En fait, comme on l'a tous constaté, depuis une quinzaine d'années maintenant, on assiste à l'émergence de ce que j'appelle l'ipséité, c'est-à-dire la conscience de soi parmi les Marocains. Et les Marocains, on est entré de plein pied dans l'ère de l'État-nation. C'est-à-dire on arrive à s'identifier à un territoire, à une histoire, à un certain nombre de traditions. Ces traditions ne sont pas très précises, pas systématisées, c'est juste ce que j'appelle une identité nationale en creux. On a un certain nombre de sentiments d'appartenance, on veut les exprimer, mais on n'arrive pas à les exprimer. Pourquoi? Parce que les élites, depuis, on va dire, l'indépendance, ont été, pour plusieurs raisons objectives et subjectives, incapables de formuler des projets qui permettent au plus grand nombre de s'identifier. Et maintenant, grâce à un certain nombre de développements fort complexes, dont je développe quelques éléments dans le livre, la construction de la nation dépasse le cadre étatique. Les populations ont besoin de s'identifier en dehors de l'État, à l'État et à la nation. Et justement, les carcans, en quelque sorte, du XXe siècle sont incapables de créer une sorte de consensus. Ce que la checklist identitaire, si j'ose dire, qui a été construite entre le 19e et le 20e siècle, repose essentiellement sur des éléments que j'appelle linéaires, simplistes et exclusivistes. Mais avec la révolution technologique et les révolutions sociales qu'on vit depuis plusieurs décennies maintenant, cette manière de voir, cette manière de faire est incompatible avec les attentes et les aspirations du plus grand nombre. Pour dire et faire la nation maintenant, il faut trouver de nouvelles formules qui expriment la complexité, la pluralité et ce que j'appelle la co-construction de la réalité sociale. Et justement, l'un des éléments qui nous permettrait de faire cela, de dépasser en quelque sorte ce dilemme pour dire et faire nation, est notre histoire. Parce que nous avons ce que je considère être comme une ressource d'énergie inépuisable, capable de dépasser tous les clivages sociaux, culturels, linguistique et même politique pour créer une plateforme commune à partir de laquelle les Marocaines et les Marocains auront un grand nombre de concepts, de symboles et de références en commun. Mais cette histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas être linéaire, simpliste et exclusiviste. Elle doit tenir compte de la mobilité, de l'histoire, ce que j'appelle l'histoire en zigzag, de la complexité et de la pluralité. Notre histoire est pluricentrique, pluridimensionnelle, et l'utiliser dans sa totalité permettra à chacun de nous de s'y reconnaître. Parce que, comme l'exprime très très bien le drapeau, pourquoi les Marocains s'identifient à leur drapeau, notamment après la Coupe du Monde, etc., etc. Parce que c'est un symbole muet, en quelque sorte. Mm-hmm. Chacun peut lui donner le sens qu'il veut, la dimension
qu'il veut, mais dans un cadre, ce petit rectangle avec l'étoile au milieu. Donc il y a un terrain d'entente qui peut être interprété de mille et une manières, mais à l'intérieur de ce cadre qui unit tout le monde. Nabil, merci beaucoup d'avoir été patient, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci.